Sandrine. Tiens, salut Kofi. C'est joli ce parc. Oui, je viens souvent ici. J'aime bien. Ça repose de la ville. C'était comme un repas. Ça fait longtemps que tu habites à Abidjan? Non, ça fait 3 semaines. Où est-ce que tu habitais avant? Oh, j'habitais dans un village, à Awekro. J'ai la nostalgie du village. C'était comment, là-bas dans ton village? Oh, c'était tellement mieux. J'avais beaucoup d'amis. Il me manque beaucoup. J'allais au collège de Sakassou. C'était un petit collège. Nous étions une cinquantaine d'élèves. Et puis après l'école, j'avais des responsabilités. On travaillait, mais on s'amusait aussi. On ne faisait pas grand-chose, mais c'était bien. On se promenait ensemble. On écoutait de la musique. De temps en temps, on organisait des fêtes. Ça me plaisait beaucoup. On chantait, on dansait, on discutait. C'était super. Il y avait des animaux, des vaches, des chèvres, des poules. On se réunissait souvent. Les cousins, les oncles et les tantes, les grands-parents, c'était merveilleux. Pourquoi est-ce que tu es venu habiter à Abidjan? Pour aller au lycée. Ici à Abidjan, j'ai l'impression que les gens sont plus seuls qu'en Brousse. On vit dans des appartements, on ne se connaît pas autant. On ne peut pas aller voir quelqu'un comme ça, simplement. Il faut téléphoner. C'est tellement plus grand. Si on veut aller voir quelqu'un, il faut prendre le bus. Là-bas, tout le monde se connaît dans le village. Ça a l'air agréable. Mais tu sais, ici à Abidjan, c'est pas si mal. Tu vas voir, c'est sympa. Il y a toujours plein de choses à faire. Eh bien, tu as vraiment l'air d'aimer Abidjan, toi. Tu sais, c'est ma ville. Et si on visitait la ville ensemble, si tu veux, je vais te faire voir tout. Je suis sûr que dans quelques semaines, tu en tomberas amoureuse. D'accord, ça, c'est une bonne idée. Et après, on ira faire une...